dès qu'on a attaqué. Vous avez vu ? Bien, on va démarrer donc cette présentation avec notre équipe au grand complet d'architectes, donc avec Anne Lacaton, Frédéric Druot, Jean-Philippe Vassal, Christophe Hutin et c'est tout, la bande des quatre, comme on a dit hier soir à Arc-en-Rêve. On s'inscrit donc dans un dispositif qui va durer jusqu'au mois de janvier, puisqu'il y a une exposition qu'on vous invite à aller voir, si vous ne l'avez déjà fait, Arc-en-Rêve, sur ce projet de réhabilitation du Grand Parc. C'est dans la Galerie Blanche, donc c'est jusqu'au mois de janvier 2013. Ce soir, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on va vous présenter un peu la genèse de ce projet de transformation de trois des bâtiments de notre patrimoine sur le Grand Parc, donc avec cette équipe. Ce travail se poursuivra sur l'ensemble des bâtiments du Grand Parc, mais avec d'autres équipes d'architectes jusqu'en 2017 environ. Bon, voilà quelques chiffres pour situer un peu Aquitanis, qui est l'office de la communauté urbaine de Bordeaux. Donc c'est aujourd'hui 33 000 personnes logées. Ça représente à peu près la ville de Bergerac. Je dis ça parce que Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal sont périgourdins d'origine, donc Bergerac. Ah, t'es un faux périgourdin, toi ? Moi, je suis Casablancais. Ah oui. Et donc ça doit leur dire quelque chose quand même. Voilà, donc on exerce le métier d'aménageur, de bailleur social et puis de promoteur en accession. Et puis on est dans ce projet d'agglomération millionnaire, donc le partenaire de la communauté urbaine de Bordeaux, dans le volet production d'un habitat nouveau, innovant, dont fait partie l'opération GHI. Alors l'histoire avec cette équipe qu'on a en commun a démarré à Saint-Nazaire, donc assez loin d'ici, en Pays de la Loire, à l'époque où, il y a maintenant une dizaine d'années, je dirigeais l'équivalent d'Aquitanis là-bas sur cette ville de Saint-Nazaire. Et on avait commencé donc un certain nombre de réalisations, et dont la première était en fait une sorte de copier-coller un peu de ce qui avait été fait à la Cité Manifeste à Mulhouse, où effectivement je m'étais dit il y a là un propos extrêmement intéressant pour imaginer de façon radicalement nouvelle la façon de concevoir l'habitat à partir de la cellule logement. Le maire de Saint-Nazaire, à l'époque, a une livraison d'un bâtiment dont on était assez fiers sur le port, face au chantier naval. Saint-Nazaire est connu pour la construction de paquebots de croisière. Devant le maître d'ouvrage, donc c'est-à-dire moi en l'occurrence, et puis les équipes d'architectes et puis les équipes qui avaient participé à la construction du bâtiment avaient dit « Bon, c'est intéressant d'inaugurer ce bâtiment, mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans le bâtiment, vous n'avez pas su évoluer dans la fabrication, dans la façon de concevoir et de fabriquer le logement. La cellule logement, elle n'a pas bougé depuis des décennies, alors que si on regarde les chantiers en face, en à peine quelques années, on est déjà à la troisième génération de conception des paquebots et de réinvention de ce qu'est... J'espère qu'il n'est pas parmi notre public, on perdrait une personne. Hein. Donc, non, il n'est pas là, ouf. Et donc, il nous dit ça, et on se dit, oui, quand même, effectivement, les chantiers, les paquebots, ils savent évoluer, ils savent faire évoluer leurs produits, leur façon de produire aussi. Et puis, nous, dans le bâtiment et dans le logement social, nous serions, au dire de ce maire, un peu dans l'immobilisme. Alors, je m'étais dit, ben, chiche, on va faire autre chose et on va lui prouver qu'on est capable, nous aussi, de bouger et de concevoir autre chose. Donc en visitant la Cité Manifeste, on s'est dit, oh ben, on va démarrer une histoire
avec ses architectes pour montrer à notre maire qu'il y a quelque chose d'autre qui peut advenir dans le logement. Alors je vais leur laisser continuer l'histoire. C'est là où on a commencé, donc on a travaillé sur 2 projets, 3 projets, 4 projets. Alors c'est bien, ils oublient le premier qu'ils ont perdu, qui était un projet très emblématique, qui était sur le port, qui était un endroit absolument extraordinaire, qui a fait l'objet d'un concours. Et si vous les connaissez, vous les avez encore entendus hier soir. Il n'est pas question pour eux d'envisager de démolition. Or, dans le concours qu'on avait lancé, on démolissait des bâtiments sur le site. Et donc, eux, ils ont répondu dans un concours dont le cahier des charges disait il faut démolir et reconstruire. Ils ont dit on continue avec l'existant. Donc, réglementairement, ils étaient hors concours, malheureusement. Et donc, ils n'ont pas gagné ce magnifique projet. Et après, on a fait ce premier projet à Eris, un deuxième projet qu'on va vous présenter, Innova, et un troisième projet qui est la tour Trois Ajoncs qui ressemble étrangement à ce qu'on va faire sur le GHI. Alors, ça commence donc avec Aéris. Oui, je crois que l'histoire... Alors, effectivement, la première histoire au Petit Maroc, c'est vrai qu'on a tendance un peu à plus trop y penser. Parce que c'est quand même un assez mauvais souvenir parce que c'était un endroit totalement charmant. Et en même temps qu'on nous donnait des photos de cet endroit charmant, on nous disait qu'il faut démolir pour remplacer ça par 50 logements. Donc c'était quelque chose de complètement incohérent et on ne pouvait pas se résoudre à enlever tout ce qu'il y avait. Un travail patient de 40 années sur des jardins, des fleurs, des allées pavées. Et que finalement, quand on regardait bien la situation, on pouvait complètement répondre à cette problématique de 50 nouveaux logements sans avoir à faire la table rase. Mais bon, ce projet a été perdu après quand même pas mal de discussions. Et on est parti donc sur 3 nouveaux projets. Ce qui était intéressant, c'est que c'était toujours dans cette question de renouveler le logement, de repenser l'espace à habiter d'une façon beaucoup plus généreuse, beaucoup plus proche aussi de l'extérieur, du climat, de l'environnement. Et donc on avait 3 situations très différentes à étudier. Donc l'une qui était ce projet à Iris, donc qui est une Trignac, c'est une petite ville périphérique de Saint-Nazaire, donc où des projets d'ailleurs de démolition de tours étaient prévus et donc il y avait des terrains là au milieu de lotissements dans des zones très très improbables, marécageuses et donc là c'était vraiment ce projet avec Silène, donc l'OPAC de Saint-Nazaire, de développer des sortes de villas un peu collectives, c'est-à-dire d'essayer de dépasser très très largement le standard du logement collectif, c'est-à-dire que là où sur des 3 pièces à peu près on fait 75 mètres carrés, bien là on est pratiquement à 120 mètres carrés. Donc ça c'était la première situation où effectivement on s'est servi de l'expérience de Mulhouse mais réadapté à ce terrain avec on a rajouté aussi des étages, c'est-à-dire que c'est pas seulement du R+1 mais aussi du R+2. La deuxième situation donc qui est là on est dans un tissu qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus proche du centre-ville. Donc là entre un ensemble de lotissements et des immeubles de logements sociaux des années 50, voilà, qui appartenaient aussi à Silène. Et donc il fallait travailler sur une cinquantaine de logements dans cet entre-deux, donc avec un travail d'être un peu plus dense que les lotissements, mais un peu moins que que la cité d'à côté. Et donc là on a travaillé aussi, mais dans un système où il fallait rechercher une certaine efficacité à la fois économique, à la fois en temps de construction, et évidemment sans renier l'objectif principal qui était de développer là encore des typologies de logements très grandes. Donc là on a travaillé sur des systèmes de construction très industrialisés, donc une construction mixte
acier béton, donc qui nous a permis de construire assez rapidement et des grands plateaux en fait qui font que les logements ont un plateau entier sans point porteur à l'intérieur, donc logement traversant avec des cages d'escalier qui sont partagées par assez peu de locataires. Et donc cette opération a été terminée à partir de juin de l'année dernière, donc elle est habitée depuis un an. Donc toujours là, le principe des grandes surfaces, mais aussi des surfaces additionnelles, telles que des jardins d'hiver, des balcons, parce que, comme on le verra sur d'autres projets, que ce soit la Tour Bois-le-Prêtre ou le Grand Parc ici, donc dans des projets de transformation, ça nous paraît extrêmement important de pouvoir développer ces surfaces additionnelles pour du logement urbain, c'est-à-dire ce que l'habitant, au fond, apprécie dans une maison particulière en banlieue, c'est-à-dire une sortie directe de son séjour, de sa cuisine sur l'extérieur. Et là, de pouvoir aussi le donner dans des logements collectifs, y compris dans les étages. Donc cette résidence suit également ces principes-là et aussi donc des principes économiques de construction donc qui nous ont permis de proposer des typologies du T2 au T5, au T4, il n'y a pas de T5 ici, assez large et avec aussi un plan d'aménagement qui a laissé les voitures en bordure de l'opération donc, et que tous les logements donc, sont ensuite desservis par des allées piétonnes ou des chariots, enfin, etc., pour aller jusqu'à son logement. Et la troisième opération, donc je ne sais pas si elle est en suivant. Là, c'était une opération de transformation, donc dans un quartier construit dans les années 60-70, donc et où on devait travailler sur la transformation d'une tour de 10 étages, 40 logements. Donc où là, on commençait déjà à travailler aussi d'après les principes qu'on avait étudiés donc avec Frédéric depuis 10-15 ans sur la question de la réutilisation et de la transformation du patrimoine bâti, notamment des logements modernes, en ayant toujours défendu l'idée que ces logements, bien qu'aujourd'hui ils ne donnent plus satisfaction, eh bien, ils ont un potentiel particulièrement intéressant qui fait qu'on peut partir de ces logements et les agrandir, les rénover et partant de là faire beaucoup mieux que du logement neuf et en tout cas beaucoup mieux que la démolition et la reconstruction et de manière plus douce pour l'habitant puisque souvent il peut rester dans les immeubles et ce qui n'est pas le cas ici mais d'une manière générale c'est possible et beaucoup plus économique. Donc cette opération de Saint-Nazaire elle rentre dans cette lignée de pensée, de recherche et de projet, avec là aussi un travail de densification, c'est-à-dire d'adjonction de logements neufs greffés sur le bâtiment existant et sur la transformation, qui nous permettait aussi de prendre en considération le fait que ces zones-là, en fait, donnent une impression de densité quand on est dans les immeubles, parce qu'il y a une promiscuité un peu trop grande dans les bâtiments, alors que la densité au sol est extrêmement faible, avec moins de 10% de la surface qui est construite et énormément de surface au sol qui est consacrée au stationnement. Donc là, on pouvait aussi, à travers ces projets-là, donc menés sous la direction de Bernard Blanc comme maître d'ouvrage, on pouvait aussi aborder cette question de la densité et qualité de vie, c'est-à-dire pouvoir construire plus sur des fonciers déjà acquis par le maître d'ouvrage, donc avec déjà une dépense moindre, des réseaux qui sont déjà là et qui sont suffisants pour accepter des nouveaux logements, des transports publics qui sont déjà là et qui ne peuvent que gagner en performance parce que de nouveaux habitants vont être là, et aussi des équipements publics. Et donc à l'arrivée, de pouvoir comme ça, en profitant de la transformation, greffer aussi des logements neufs. Et puis on sort de Saint-Nazaire, donc et là on commence des projets plus concrets, terminés, donc la Tour Bois-le-Prêtre à Paris, donc qu'on a fait avec Frédéric. Donc peut-être je peux te laisser la parole 2 minutes pour ou 15 minutes, pardon. Je veux pas te réduire. Je vais pas mal. Le projet de la Tour Bois-le-Prêtre effectivement prolonge cette histoire-là, c'est-à-dire cette attention qu'on porte de façon très très forte
aux constructions existantes et en particulier aux bâtiments qui sont occupés. Donc le projet de la tour Bois-le-Prêtre se situe dans Paris, en limite de périphérique, dans le 17e. C'est une tour qui a été construite dans les années 62, donc qui concernait 100 logements, 96 plus 1 logement 97 à l'origine, qui était construite comme une tour de façon très très classique, c'est-à-dire avec le minimum d'ouverture, des petites fenêtres, mais une conception structurelle et distribution des appartements qui était assez intelligente. Bon. Et donc le projet a consisté à proposer aux gens qui habitaient, donc qui sont restés dans le projet, de leur donner, au-delà de leur surface qu'ils avaient aménagée de façon assez douce le plus souvent, des espaces complémentaires qui permettaient de leur offrir de la lumière, de la fluidité, une générosité d'espace qui était beaucoup plus forte, et donc requalifier finalement depuis les intérieurs, à partir de la chambre de laquelle on ouvrait une baie pour donner sur un grand balcon, d'un séjour où on faisait à peu près les mêmes gestes, leur donner le maximum de confort et de lumière. Et finalement, quand on regarde la tour après coup, quand on le regarde depuis l'extérieur, on a une image de la tour qui a complètement évolué et qui est totalement acceptée et acceptable du point de vue du public. Aujourd'hui, on ne dit plus cette tour maudite, on dit cette magnifique tour. Et ce qui est remarquable, c'est que cette magnifique tour, elle s'adresse toujours aux gens qui l'ont occupé depuis les années 62. Et le coût des loyers, c'est un logement social, le coût des loyers n'a pas évolué en fonction des travaux. Voilà. Donc le principe est assez simple, c'est-à-dire dès lors que les gens habitaient à l'intérieur de la tour, il a fallu trouver des systèmes constructifs qui étaient très performants, de façon à offrir, sur un chantier qui était relativement important, des nuisances les plus faibles. Donc tous les systèmes d'augmentation et d'ajout des jardins d'hiver et des balcons sont des systèmes préfabriqués qui ont été posés à peu près de l'ordre de 1,5 mois par façade. Voilà. Donc très très vite, les gens sont passés d'une situation assez fermée sur l'extérieur, avec une visibilité assez pauvre, à un dégagement extrêmement fort sur Paris. Pour compléter, il nous semble que aujourd'hui les logements produits manquent singulièrement de liberté pour les habitants. C'est une liberté, c'est une liberté de bouger, de se mouvoir, de s'asseoir, de bouger, de danser, d'inviter des amis, de sortir dehors, qui existe relativement peu dans le logement. Il y a un peu plus de liberté dans les pavillons parce qu'on a une maison et qu'autour on a un jardin, on peut ouvrir sa porte, on peut avoir une véranda, on peut avoir un garage, on peut cultiver, on peut jouer au basket dans le jardin, et ça on ne le retrouve pas quand on est au 10e ou au 6e étage d'un immeuble collectif. Donc retrouver de la liberté, ça nous paraît absolument essentiel. C'est pourquoi ce qui nous paraît important, c'est d'enlever les carapaces, d'enlever les formes, d'enlever les enveloppes, toutes celles qu'on voit un peu ici sur tout un tas de maquettes, et de considérer l'espace à l'intérieur. Comment sont les habitants à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont assez de place pour bouger, pour s'avancer, pour tirer un rideau, pour ouvrir un coulissant, pour passer de l'intérieur? Les personnes qui souhaitent participer au parcours des bassins à flot sont invitées à monter dans les bus situés à l'entrée du hangar 14. Merci. Pour passer de l'intérieur vers le jardin d'hiver et du jardin d'hiver vers le balcon, c'est-à-dire d'avoir effectivement cette fluidité et ce passage intérieur-extérieur qui est un peu celui que l'on a dans une maison individuelle. Donc cette liberté, ça nous paraît essentiel. Faire en sorte qu'un séjour n'est plus à 18 mètres carrés, mais qu'il puisse être à 36, 40 ou 60 mètres carrés. Faire que ce séjour, il ait 30 mètres carrés de jardin d'hiver supplémentaire qui permet de gérer le confort et la relation avec le climat dans lequel on se trouve. Profiter du climat, profiter d'un rayon de soleil, profiter d'un courant d'air. Tout ça, c'est absolument essentiel, et c'est cette liberté-là que l'on veut essayer de développer à travers une économie du projet, à travers une rationalité, à partir de cette question de l'espace intérieur de chaque habitant. Et ça donnera une forme, ça donnera une image, mais ça sera la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas une image formelle, abstraite sur le territoire, c'est vraiment la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. Cette liberté, on peut soit la proposer dans des logements neufs,
qui sont construits de façon la plus rationnelle possible, les plus grands possibles, en utilisant des systèmes qu'on pourrait utiliser dans la construction des bureaux ou dans la construction des immeubles industriels, en travaillant effectivement sur l'optimisation maximum, ou alors on peut avoir cette liberté en transformant l'existant. C'est-à-dire là où finalement il y a un logement qui existe déjà et qui est un peu trop petit ou un peu trop fermé, faire en sorte qu'on lui double ou qu'on lui augmente largement sa surface et qu'on l'ouvre complètement sur l'extérieur. Pour qu'enfin les gens aient cette liberté de ne pas être bloqués derrière une fenêtre au 12e étage, une petite fenêtre avec le vide au bas des pieds, dans une surface trop petite où on ne supporte pas d'être trop nombreux, où on est obligé d'aller en bas, où en bas on ne trouve rien. Et finalement, à partir de cette liberté qu'on donne à chaque logement, cette extension de surface, ce rapport avec l'extérieur, d'utiliser l'existant pour faire qu'en rajoutant 50% ou 60% à l'existant, on ait quelque chose qui soit bien supérieur que le standard du logement neuf qui est produit aujourd'hui. Ça, c'est ce qui nous paraît vraiment important et que l'on fait ici, sur le projet GHI au Grand Parc avec Aquitanis. Il n'a pas tout dit encore, mais on va profiter de ses paroles pour dire un peu notre projet. Voilà, rapidement, le Grand Parc auquel on va s'attaquer avec cet état d'esprit, bon, c'est un grand ensemble des années 50, extrêmement intéressant par sa situation dans Bordeaux et par son plan masque que protège aujourd'hui le périmètre UNESCO. Donc nous gérons plus de 2000 logements sur cette grande cité, essentiellement constituée de tours et de bars qui effectivement sont de grande taille. Et le travail qui va être mené là sur ces deux grandes bars est assez exceptionnel par l'ampleur du travail qu'il y a à accomplir. Donc, vous voyez là le plan de masse de cette cité. On a surligné en orange tout ce qui est propriété Aquitanis et tout le travail qui nous attend jusqu'en 2017 à peu près d'intervention sur ces bâtiments. Et voilà donc les deux bâtiments qui nous intéressent, qui en masquent un troisième petit puisqu'il y a un G, un H et un I. Alors, avec ce que Jean-Philippe Vassal vient de dire, il est très clair que ce qui nous préoccupe et ce qui nous réunit dans cette aventure-là n'est pas un projet de réhabilitation. Et donc on peut reprendre l'image de Magritte et dire que ceci effectivement n'est pas un projet de réhabilitation, c'est une intervention humaine et c'est un projet politique et social. Et effectivement, quand on entend notre triumvirat, on ne peut que adhérer à ce projet politique qui dit, comme il était prévu par Aquitanis il y a 5 ans, qu'il ne faut surtout pas démolir ces bâtiments-là et qu'il faut venir les retravailler, les régénérer, leur apporter quelque chose de plus. Donc, ce quelque chose de plus qui, pour moi, était ce qui était déjà donné à l'origine. Quand ces bâtiments ont été livrés, dans les années 50, ils étaient vraisemblablement les plus modernes de Bordeaux dans la qualité d'usage qu'ils offraient, des ascenseurs, des salles d'eau. Comme on le disait sur les plaques des immeubles parisiens, il y avait le gaz et l'eau à tous les étages. Et ceux qui connaissaient Bordeaux, vous rappelez que le Grand Parc a été construit sur une cressonnière et sur lequel il y avait ce qu'on appelait aujourd'hui un quasi taudis. C'était la même chose sur le site actuel de Ginkgo avec les aubiers, où ça a été une conquête de terres insalubres et sur lesquelles, effectivement, il y avait un habitat très pauvre et très précaire, et sur lesquelles les habitants ont d'un seul coup accédé à quelque chose d'extraordinaire. Les bâtiments et les logements sociaux de cette époque, effectivement, étaient une accession à la dignité pour les classes populaires et ça a été les grands marqueurs de la modernité de cette société française qui allait elle-même se régénérer et essayer de se trouver un nouvel avenir. Et on veut reprendre et on veut retrouver, quelques décennies plus tard, ce moment-là assez exceptionnel, où effectivement ce qui nous intéresse, c'est ne pas démolir, mais régénérer,
ne pas poursuivre cette image de relégation, mais au contraire de retrouver ce qui était ce moment de dignité dans l'entrée dans ces immeubles en 1950. Et face à l'image extrêmement péjorative que l'on a connue à partir des années 80 sur cet habitat, que tout le monde a appelé des cages à lapins, nous on dit on veut des case study houses, parce que c'est un programme, on reviendra là-dessus, extrêmement emblématique, développé aux États-Unis, qui est l'icône même de ce que l'on peut espérer avoir comme exploitation d'une situation urbaine absolument fantastique. Et on estime que nous avons sur le Grand Parc et sur GHI, enfin au moins les deux grandes barres, l'opportunité d'offrir ce que ce programme californien à l'époque offrait, une vue exceptionnelle sur la ville. Donc on veut exploiter, au bon sens du terme, une situation et non pas requalifier, réhabiliter un bâtiment. On veut ne pas faire d'architecture, Jean-Philippe Vassal vient très bien le dire, et c'est eux les architectes, c'est pas moi, et donc on ne veut pas ensemble faire un geste architectural, on veut redonner une situation habitée exceptionnelle. Voilà les propos qui nous animent, et c'est là-dessus que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage se retrouvent, et je crois que c'est ça qui fait un peu l'exception de ce projet. Voilà, donc on démarre avec Gounod, c'est 80 logements, AR plus 10, et puis après on est sur des niveaux AR plus 15, et on a 530 logements pour lesquels on va travailler pendant à peu près 2 ans pour transformer les conditions habitées de ces situations exceptionnelles. Et après, on va poursuivre sur les 1770 autres logements. Alors, pas avec la même ampleur, un peu plus modestement, mais aussi résolument. Voilà, c'est un projet de 28 millions d'euros. Ce n'est pas le propos de rentrer dans ce détail-là. Mais c'est avec l'appui de la communauté urbaine de Bordeaux qu'on peut effectivement mener un tel projet aussi lourd financièrement. Donc voilà. Les équipes, on les a déjà présentées, vous les avez en image, mais vous les avez en vrai, ce qui est quand même mieux. Et donc, on va commencer avec eux la présentation de la démarche. Je vais laisser, je ne sais pas lequel, Frédéric peut-être, non, ou Anne. Je veux bien m'y coller. Oui, donc Bernard Blanc l'a dit, ces trois immeubles représentent 530 logements, tous occupés. Il y a une vacance qui est extrêmement faible. Donc le projet, évidemment, doit se faire en site occupé, la transformation, parce qu'on ne peut pas envisager de déménagement. Tout juste peut-être quelques logements vacants à l'ouverture du chantier pour parer à quelquefois un logement d'une ou deux journées en secours. Les immeubles, en fait, la situation qu'on a trouvée, ce sont des immeubles qui sont répartis en plusieurs cages d'escalier, avec chaque fois à peu près 60% des logements qui sont des logements traversants, donc à double orientation. Et ceux qui ne le sont pas ont des bonnes orientations, notamment du côté de côté sud. Ils sont divisés en plusieurs cages d'escalier, notamment les plus grandes barres de 15 étages ont 5 cages d'escalier, avec chaque fois 3 logements par étage, donc ce qui crée malgré tout des conditions de circulation ou de promiscuité à l'intérieur de l'immeuble qui ne sont pas si mauvaises. Ce sont des immeubles qui ont été bien entretenus, donc aujourd'hui ils ne posent aucun problème en termes de qualité de structure, donc ils sont très solides, il n'y a aucun problème de structure à gérer. Simplement, il faut pallier, notamment, même si ce n'est pas le but principal, à des questions d'usure naturelle, d'usure en fait à leur âge, quoi, qui portent sur des réseaux, sur les ascenseurs, etc. La prise en considération aussi de l'amélioration de l'économie d'énergie, c'est des immeubles qui n'ont pas subi dans les années 80 de réhabillage isolant, donc on peut en même temps presque considérer que c'est une chance aujourd'hui parce qu'on n'a pas à le défaire. Et puis la demande, elle est surtout de reconsidérer aussi la qualité de l'espace, la qualité de vie dans les logements. Et donc, pour nous, c'est comme pour le maître d'ouvrage, c'est extrêmement important de, de, euh, de,
d'affirmer, ou de, en tout cas on en est convaincu, que toute intervention de rénovation qui porte sur la technique, sur l'amélioration de la consommation énergétique, elle ne peut pas être seulement matérialisée par des isolants, des remplacements de réseaux, etc., mais qu'elle doit aussi travailler sur l'amélioration très conséquente du confort de l'espace dans le logement, de la qualité du logement, et donc d'apporter quelque chose à l'habitant qui soit de l'espace en plus, de la qualité de vie en plus. Donc sur ces immeubles, on va leur ajouter sur les façades principales une addition donc, qui sera à tous les niveaux, sur toute la longueur, de plus de 3,50 m de profondeur, donc 3,80 m exactement, c'est-à-dire 2,80 m d'espace fermable en hiver, plus 1 mètre de balcon, et donc sur toute la longueur du logement. Et toutes les pièces donc, qui donnent sur ces jardins d'hiver, soit on cirera les allèges pour que les portes deviennent des portes-fenêtres, ou on déposera les portes-fenêtres, les panneaux des loggias, de manière à ce qu'on puisse les remplacer par des grandes baies vitrées au droit de la façade extérieure, et que toutes les pièces donc, donnant sur les jardins d'hiver puissent s'ouvrir sur ce jardin d'hiver, et qu'on puisse passer aussi d'une pièce à l'autre par l'extérieur, par le jardin d'hiver. Donc c'est une addition de surface qui va complètement transformer l'intérieur du logement, amener plus de lumière, amener plus d'espace, donc pouvoir déployer un peu plus d'usage, mais aussi ça va complètement transformer la qualité des vues, et notamment toutes les façades principales qui sont non seulement orientées au sud, mais qui donnent sur le centre-ville de Bordeaux, donc avec des vues exceptionnelles. Donc on voit un peu ici sur ces coupes de principes les interventions qui vont être proposées, donc avec l'image du haut, c'est la situation actuelle. Donc là, on est dans un immeuble à double orientation, donc avec les façades sud et les façades nord qui sont plutôt occupées par salle de bain, cuisine ou quelques chambres complémentaires. Et donc l'essentiel de l'intervention pour les grandes barres sera du côté sud, alors que pour le plus petit bâtiment, eh bien là, on sera des deux côtés parce que l'organisation intérieure n'est pas la même. Donc, on aura des agrandissements des deux côtés. Ces agrandissements, donc, en même temps qu'ils apportent une qualité de vie, une qualité supplémentaire à l'espace du logement, eh bien, ils sont aussi très performants sur l'amélioration du confort énergétique à l'intérieur, puisque cette simple addition qui, au fond, représente presque une double façade, eh bien, elle amène à elle seule une réduction de la consommation de chauffage qui nous ramène assez aisément dans le BBC rénovation. Alors que par ailleurs, sur les façades nord, on fera un travail d'isolation par l'extérieur. Donc on voit ici les transformations opérées, donc les séjours, les cuisines, les chambres, et puis aussi donc, les entrées qui seront complètement reconfigurées pour devenir plus placieuses, plus aérées, traversantes donc, de la rue au jardin, et les reconfigurations aussi des caves, donc en rez-de-chaussée, de manière à créer des petites unités de 8 caves environ, donc avec des accès indépendants. Alors, d'autres travaux additionnels aussi sont prévus, les remplacements des ascenseurs, l'ajout d'ascenseurs, les travaux sur les salles de bain, l'électricité, etc. Et en addition, donc, sur la surface de toiture sera exploitée pour ajouter des logements, donc greffés sur les cages d'escalier existantes. Alors, tout cela se fera en site occupé. Le travail d'addition, en fait, c'est une préfabrication d'éléments de plancher, de poteaux, donc qui va se construire comme un mécano, donc bâtiment par bâtiment, avec des temps le plus réduit possible d'intervention, donc, et avec finalement des travaux qui vont se faire par l'extérieur pour ces extensions, donc avec une gêne assez limitée pour l'habitant, et les travaux intérieurs se feront aussi dans des temps limités, qui font que
pour les habitants d'une entrée, eh bien, en gros, on peut penser qu'après 3-4 mois de travaux, eh bien, leur entrée sera à peu près achevée et qu'on pourra passer à la suivante, donc sans que les gens aient à déménager. Donc c'est un travail aussi très fin à l'origine de repérage, de visite, pour faire aussi un travail très... très, très précis, de notamment qu'est-ce qu'on remplace sur l'existant pour que finalement dans le budget, qui est un budget, bon, même s'il paraît important au vu des autres transformations possibles, mais qui malgré tout reste un budget extrêmement inférieur à ce qu'aurait coûté la démolition et la reconstruction, puisque on a parlé de 52 000 euros, mais en toutes dépenses confondues, c'est-à-dire c'est pas seulement les travaux sur les bâtiments, alors que à l'inverse, la démolition reconstruction aurait plutôt été sur une base de 180 000 euros à peu près, et que au même endroit, de toute façon, on n'aurait pas. Et qu'une perte aussi considérable aurait été à cet endroit-là, puisque la reconstruction n'aurait permis de faire que R plus 4, à peu près, hein, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on aurait perdu aussi toute cette qualité de vue qu'il y a aujourd'hui à cet endroit-là, et que le projet va complètement, en tout cas, magnifier et donner au maximum aux habitants. Donc tout ce travail de précision qui a été fait sur l'analyse de l'existant, en partant des bases de données d'Aquitanisme, mais aussi par des compléments qui ont été faits depuis le début des études. Un travail très précis sur le mode de constructif des extensions. Donc tout ça nous permet aussi d'atteindre cette générosité dans les additions qui seront proposées aux habitants. Donc en termes de... C'est une opération qui avance assez vite aussi, puisque... Non, mais je peux te laisser la parole. Voilà, donc on est en cours d'étude. On va en gros lancer les appels d'offres avant la fin de l'année. Et le permis de construire a été accordé. Et donc on pense démarrer les travaux au début du printemps, donc pour à peu près une quinzaine de mois, quoi. Voilà. Juste un mot. Je pense qu'il y a les projets d'architecture ne sont pas seuls, ce n'est pas les architectes. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une question d'architecture, comme l'a rappelé Bernard Blanc, c'est une question d'objectif de projet. Et dans la notion d'objectif de projet, de notion de maîtrise d'ouvrage associée à celle de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire celle des architectes, il faut qu'il y ait une communion incroyable. Et on le voit justement quand on parle de l'économie, c'est-à-dire maître d'ouvrage et architecte ont compris les objectifs qu'ils voulaient donner aux gens qui habitent cette tour-là. C'est-à-dire plus d'espace, plus de lumière, plus de surface, plus de fluidité. Mais au-delà de ça, il y a des pratiques de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre et des mécanismes de travail qui sont à mettre en place. Bon. Et effectivement, par rapport à des habitudes de construction et de maîtrise des travaux, il faut pouvoir s'adapter. Et on ne peut pas travailler sur des projets de ce type-là en mettant à égalité et les curseurs au même niveau, l'économie sur la plomberie, l'économie sur la ventilation, sur les finitions intérieures, sur les structures. Il faut faire des choix. Et les choix, ils sont liés aux objectifs qu'on veut donner au projet. C'est-à-dire que l'importance des jardins d'hiver est essentielle. Donc on ne peut pas rogner sur cette valeur-là, parce que c'est elle qui va donner le plaisir d'habiter aux gens. Donc ça veut dire que forcément, dans les habitudes et les pratiques de maîtrise d'ouvrage, il faut faire attention à certaines reprises de travaux de réhabilitation qu'on ne pourra pas faire, autrement on ne pourra pas se payer ce luxe qu'on veut donner aux gens. Voilà. Donc il y a aussi une culture de la maîtrise d'ouvrage qui se met en place, et c'est intéressant avec Aquitanis et la culture qu'ils ont eue avec Anne et Jean-Philippe, de s'accorder à cette intelligence qu'on veut pratiquer pour le plaisir des gens. Merci. Voilà donc notre projet de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage pour des habitants en place. Et Anne l'a évoqué, donc ce que l'on souhaite, c'est que les habitants qui sont aujourd'hui dans le GHI seront ceux qui profiteront de ces nouveaux logements demain. On a emmené il y a quelques mois de ça maintenant quelques dizaines de nos locataires visiter la tour Bois-le-Prêtre. C'était un moment assez exceptionnel.
Les architectes étaient là pour les accueillir. Les habitants en place de la tour Bois-le-Prêtre les ont reçus, leur ont fait visiter leur logement. On a déjeuné tous ensemble et puis ensuite on a repris le train pour Bordeaux. Et dans le train, nos locataires disaient... Alors, ouais, je suis ému, ouais. C'est quand, on le veut tout de suite, c'est tellement beau. Et donc ce changement-là, c'est vraiment maintenant. Merci à vous. Merci.